C'est à peu près sauvé. Oui. Avec un S à la fin. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à la boutique Potemkin. Je sais que pour certains, c'est une première. Donc, pour rappel, on fait quand même régulièrement des rencontres avec des réalisateurs, des réalisatrices, des critiques, des comédiens. On profite un peu de la sortie de DVD pour mettre en avant des films qui nous tiennent à cœur. Et puis, voilà. Et puis, profiter d'un moment d'échange, de discussion, qui est un moment où le circuit un peu commercial du film est un peu sur sa fin, et puis voilà, il y a peut-être moins de pression, moins d'enjeux. Il y a plutôt l'enjeu de parler du film, de le débriefer, de l'ouvrir sur d'autres films aussi, parce qu'on est une boutique DVD avec plein d'autres films de patrimoine, de répertoire du cinéma contemporain, mais c'est aussi, voilà, ça veut être une discussion un peu plus large plutôt que, voilà. Non, mais tu es déjà venu, Mathieu, voilà, tu connais l'exercice. Tu fais ton faux timide, en fait. Voilà. Voilà. Bon, bah, on est très heureux de t'accueillir, Mathieu. C'est moi. Bah, non, mais c'est un plaisir parce que tu voilà, t'es fidèle un peu au rendez-vous, au poste. Oui, sauf que j'ai pas le temps de voir assez de films, et donc je viens pas souvent quand même là maintenant. C'est vrai, ça fait un moment, c'est vrai, qu'on t'a pas. Je vis plus tellement à Paris aussi. Voilà, tu m'as dit que tu vivais en. Ouais, depuis 4 ans en Bretagne. En Bretagne. Ouais. Voilà, c'est ça. Oui. Mais ouais. Déjà des applaudissements. Plestin, les Grèves, Finistère Nord. Non. Ah. Mais donc voilà, je te présente plus, et en même temps, on peut dire quand même que tu es. Tu viens ici avec plutôt une casquette de réalisateur, mais on sait quand même, on te connaît aussi par les films dans lesquels tu joues. Tout ce parcours, on a accueilli il n'y a pas si longtemps que ça Arnaud Desplechin. La semaine prochaine, il y a les frères Larieux qui viennent pour parler de Tralala. Ils ne sont jamais venus à la boutique d'ailleurs, donc moi je suis très content. On te voit dans des séries. Voilà, tu tournes beaucoup quand même. Et dans le Bureau des légendes évidemment, dans Wes Anderson récemment aussi. Mais quand est-ce que, pour toi, je sais que le métier de réalisateur est, tu te sens presque plus réalisateur que comédien, ou comme si tu avais été comédien un peu par accident. C'est ce qui, c'est ce qu'on lit. Bon, en même temps, quand on te voit quand même assez fréquemment, on voit le talent que tu as quand même à jouer la comédie. Donc mais régulièrement, tous les 4 ans, il y a un film comme ça qui survient, et c'est à chaque fois une surprise, un bonheur, quelque chose d'assez inattendu quand même. Quand est-ce que tu trouves le temps? Parce que tu tournes beaucoup quand même, non? Tu tournes beaucoup, je sais pas trop, j'ai pas envie de dire trop, mais tu as envie de tourner donc. Non, j'ai arrêté la vie d'acteur. Oui. Ah, depuis Tralala, donc depuis 2 ans. Ah d'accord. Ouais, moi, je suis pas dans les du tout. Non, dans les. Oui, d'accord. Je savais c'est pas. C'est un scoop. j'en parle pas. Mais j'ai eu besoin d'arrêter. Non, sérieusement. Oui, j'ai eu vraiment besoin parce que moi, j'ai déjà raconté ici, mais comme tu sais, c'est pas tellement être cinéaste ou réalisateur, mais comme j'ai commencé derrière la caméra en faisant un peu tous les métiers. Voilà, c'est ça. Grâce à Ottorio Celiani. Oui. Et voilà, et donc. J'ai aimé tous ces métiers qui font un film. Oui. Et après, quand Desplechin a eu cette idée saugrenue de me faire jouer alors que j'avais jamais joué, j'avais déjà 30 ans quand même. Oui. Et donc il a pris un risque, et c'était comme un autre métier manuel du cinéma. Voilà. Oui, oui. Et c'est vrai. Oui. Parce que lorsqu'on va sur un plateau et qu'on voit comment un plan est construit, il n'y a pas de devant-derrière. N'est-ce pas, Sacha? Parce que, surprise, Sacha, qui joue dans le film, est venu nous rendre visite. Ouais. Et c'était ta première fois, et t'as vu, hein. C'est tout le monde qui est... Ouais. Tout le monde. Donc, voilà. Oui, mais il y a quand même un moment où tu décides de faire un film. Comment, comment ils germent ces films? Parce que... qui ne se ressemble pas, et en même temps, on en parlera, mais où il y a quand même... Ah oui, tu me diras.
mais il y a quand même quelque chose qui, voilà, il y a une patte. Mais comment ils arrivent, c'est-à-dire que tu les as dans un tiroir comme ça, raconte-moi. Mais non, un peu. J'ai rien dans les tiroirs, ça, malheureusement. Non, mais non, c'est un miracle. Hein. On oui, pense c'est un vraiment que rien ne va arriver, ouais. Que c'est fini, que bien sûr. Oui, mais là, par exemple, pour ce film-là, précisément, ça vient d'une lecture. C'est un ami qui devait le monter au théâtre, le texte de Claudine Galéa, qui s'appelle « Je reviens de loin », qui a été réédité, d'ailleurs, qu'elle avait écrit il y a à peu près 17 ans maintenant, ouais. Et qui n'avait jamais été joué. Mais oui, mais c'est... Jamais été joué, et un ami qui joue dans un de mes courts-métrages, enfin voilà, depuis très très longtemps, qui s'appelle Laurent Zisserman, voulait la monter. Et puis la vie a fait qu'il ne pouvait pas la monter. Ce n'était pas possible. Ouais. Et il a dit adieu en me filant ce petit livre. Oui. Et j'ai pleuré en le lisant. Oui. Et voilà. Et puis, et puis après, on est toujours un peu en train d'être en colère contre les films précédents qu'on a pu faire. Oui. Donc là, je m'étais dit, je vais faire... Un film dans l'ordre. Oui. Non. Alors, je suis désolé de te décevoir. Oui, oui. Un mélo. Oui. Et deux, trois mois après l'avoir lu, quand Yael et Laetitia, parce que c'est ça comment un film des germe. Poissons, quoi. Ouais. C'est grâce aussi à une relation avec des. Là, il se trouve des productrices. Oui. Oui, qui avait déjà produit tourner, tout ça. Et donc, me disait, oui, y a une ça fait deux films que tu fais sans nous, là, c'est pas possible. Oui. Donc, qu'est-ce que t'as en magasin? D'accord. Je sais pas, moi. Ah, tiens, j'ai lu. Oui, je sais pas, lisez ça. C'est pas du cinéma, hein. On peut rien en faire. Mais je sais pas, ça m'a fait un truc. Voilà. Ah. Ça leur a fait un truc. Oui. Et du coup. C'était comme un travail d'archéologue, aller chercher où il y aurait du cinéma. Mais oui, dans les mots de Claudine, oui. Et finalement, dans cette chose qu'elle a inventée, qui est si simple, qui est... Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas un film dont le nerf et le secret, ce n'est pas Usual Suspect, quoi. C'est pas, non, ce n'est pas Usual Suspect, mais il y a quand même une enquête. Non, il y a une... c'est pas pareil quand on le voit la première fois que quand on le voit la deuxième fois. Clairement. Voilà. Clairement. C'est deux plaisirs différents. Ouais. Mais et on peut le voir aussi une troisième fois parce que tu sur le DVD, il y a une version commentée. Non, mais qui oui. offre vraiment encore une lecture. Oui, je l'ai fait sérieusement. Mais tu l'as fait de manière très studieuse. C'est-à-dire que tous les plans sont accompagnés des commentaires de Mathieu et ça nous donne à. C'est-à-dire que là, je me suis préparé. Et puis, je me suis préparé comme une longue prise. Hmm. Je voulais pas le faire en plusieurs fois. Ah oui, tu l'as fait en... Oui, je voulais... Je me suis vraiment préparé, mis dans un certain état, où j'essayais de me rappeler de comment un film germe, qu'est-ce qui fait qu'on a cette énergie absolument insensée de recommencer à faire un film, parce que franchement... Oui, là, par exemple, je me dis, mais c'est pas possible de refaire un film... Où est-ce qu'on trouve cette énergie? C'est pas possible. Ouais. C'est trop dur. Et donc voilà. Et puis je suis parti avec un ingénieur du son merveilleux. Donc je parlais quand même à quelqu'un qui était à côté de moi. Oui, on sent que c'est barbe. Et je l'ai fait en d'un seul tenant. Ouais. Et j'ai pas réécouté. Ah, tu l'as pas. Non, mais c'est réussi, c'est envoûtant. Il y a quelque chose d'un peu... Oui, c'est ce que je me suis dit. Il faut être... En fait, ce que j'ai fait pour me préparer, j'ai réécouté Coppola sur le bus du parrain, bien sûr. Oui, exactement. Qui est quand même une grande merveille de leçon de cinéma. Voilà. Tu parles de... Je reviens à tes productrices, à cette lecture-là, à ce qui va se transformer en une sorte d'objet cinéma. Est-ce que tu penses déjà, parce que c'est quand même pas rien dans ce film, à des visages, à des comédiens, tout de suite, ou c'est se dire, tiens, j'ai vu Vicky Krieps dans le Paul Thomas Anderson, je veux la faire tourner, je veux la filmer, ou pas du tout, j'ai vu Arié dans 12 000, je veux le faire. Je sais pas comment ça se construit, comment ça s'est échafaudé dans ta tête. Une fois que Laetitia et Yael m'ont dit creuse,
Je suis allé, ben, j'étais en Bretagne et dans la maison tout seul et Vicky m'est apparue. Pardon. Ben, voilà. Voilà, non mais c'est tout quoi. D'accord, mais tu... alors je quand j'avais vu Phantom Thread, je m'étais pas dit je veux tourner avec cette actrice extraordinaire. Parenthèse, oui. Moi j'avais vu Arnaud Desplechin qui était venu à la boutique, oui, pour acheter des DVD. Il l'a. Il venait de voir Phantom Thread où il me dit le Paul Thomas, oui, Anderson, c'est fou, elle, oui, elle est incroyable. Oui, incroyable. Oui, il me le disait presque en tremblant. Oui, je crois qu'il l'avait rencontré. Oui. Exactement. Absolument. Je pense que c'était un peu à la même période où C'est possible. Non, moi c'est juste en étant dans les larmes, hein, parce qu'il faut écrire ça avec des larmes, malheureusement. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, c'est pas forcément ce que je voulais quand les gens regardent le film, au contraire, mais tu pleures après peut-être. Mais moi je connaissais l'histoire, donc d'être dans un certain état de mélo et soudain le visage de cette serveuse, en fait. Plus que de cette actrice, mais réapparue. Le petit déjeuner, la scène du petit déjeuner. Le premier plan où on voit Vicky, ouais, dans le film, donc ouais, c'est la première fois que je l'ai vue de ma vie. Ouais. Et je pense qu'on fait tout ça dans le bus ou au café. On imagine la vie des gens. Et cette fille, je la connaissais, quoi. Je la connaissais. Et après, je ne me souviens plus du film Phantom Thread. Mais je me souviens d'elle en serveuse. Parce que les serveurs, les serveuses, on peut imaginer, on projette beaucoup de choses, je trouve. Et voilà, donc peut-être parce que si elle n'avait pas été serveuse dans cette première scène, parce qu'après elle ne l'est plus du tout dans le film. Mais c'est vraiment ça. Elle est apparue. Et du coup, je suis sorti dehors, parce que ça passe pas en Bretagne, hein, les portables, et avec les murs. Et voilà, c'est des signes. Je trouve sur le numéro de l'agent à Paris, il y a un agent à Paris, je téléphone. Putain, il est là. Il décroche. Ça alors, Vicky est là dans 3 semaines à Paris. Et voilà. Mais on s'est rencontrés. Je crois qu'on a. J'avais rien à lui donner. J'avais juste le livre de Claudine. Et je crois qu'on a complètement oublié de se dire. Je vous dirai si je le fais ou... Oui. N'oubliez. On a l'impression que Ça s'est passé. C'est une actrice totalement... moi, je me pose vraiment la question de savoir comment on dirige une actrice comme ça. Il y a une sorte d'hypersensibilité, d'animalité, d'instinct, et en même temps de... Je ne sais pas. Il y a une sorte de mélange comme ça. On se dit, mais comment... Et en même temps, j'ai l'impression que tous les angles, qu'on la filme sous tous les angles, on trouvera quelque chose, mais quelque chose de différent à chaque fois. Comme si on avait une sorte de choix infini en même temps. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Et c'est rare. C'est des comédiens rares. Et elle est drôle. Et elle a énormément d'humour. Alors toi, tu n'as pas beaucoup joué avec elle. Ben non. Parce que dans l'histoire, malheureusement... Ah oui, c'est l'histoire, ça. Oui. Ça c'est... Mais tu... On se voyait à l'hôtel, au café. On a tourné à Saint-Gaudens, vers le début des Pyrénées. C'est d'essayer de... C'est pas quelqu'un, par exemple... Parce que tu as peur au début. Donc que tu veux prouver que tu as travaillé. Donc ça passerait par des livres, par des DVD. Par exemple, je lui ai donné Les gens de la pluie, tu vois. Que j'ai pas eu de Coppola. Voilà. Je lui ai donné Les gens de la pluie, parce que c'est l'histoire d'une femme qui s'en va. Et j'étais très fier de moi. J'avais des références à lui donner, des livres. Des trucs. Très bien, elle prend, mais... En même temps, j'avais invité à déjeuner à la maison pour lui faire à manger, puis voir vraiment comment... Comment on bouge ensemble, comment elle va chercher les verres, comment c'est tout, c'est des choses comme ça en fait. C'est très physique comme et puis après
Donc il n'y a pas de lecture préalable, il n'y a pas de réflexion sur le personnage, de choses qui sont par exemple des choses Carrier. J'avais un grand plaisir à faire ça avec Carrier. D'accord. Carrier, lui, au contraire, écrit des cahiers entiers. Il aime bien. Oui, oui. Vicky, c'est autre chose. Et après, mon travail, c'était d'avoir travaillé. Et donc, le matin du tournage, parce que je donne les feuilles le matin du tournage. D'accord. Hein? Comme du... Oui. C'est très nouvelle vague, ça, quand même. Non, c'est pas nouvelle vague. C'est vieille vase. Mais non. Si tu crois que je le fais exprès, j'aimerais bien qu'on me... Non. Hein? Non. Là, sur celui-là, non. Mais c'est pas une règle. Sur la chambre bleue, on avait répété un peu avec Stéphanie, parce qu'elle avait jamais joué avec Laurent Poitrenaud. Comme ça, juste, on a répété, mais c'est aussi parce qu'il y avait... Ça va, il y avait Simenon, il y avait de quoi faire. Tu peux répéter, là... Chambre bleue, qui est un film précédent qu'avait fait Mathieu, que vous avez peut-être vu, et qui est inspiré d'une nouvelle de Georges Simenon, avec Stéphanie Cléo, et toi. Oui, oui. Si mon souvenir est bon. Oui. Non, je ne sais pas. Elle aimait bien. J'aimais bien. Donc, c'est quoi la scène? En gros, hein, c'est ça le travail, de donner au matin à toute l'équipe. C'est quoi la scène? Qu'est-ce que ça raconte? Et comment éventuellement ça peut être filmé? Et puis... travailler d'abord avec l'équipe sans Vicky, et je joue Vicky, et je joue Clarisse. Donc je lui raconte ensuite ce qui m'est venu, dans les déplacements, dans un... Elle aime beaucoup ça. Elle aimait beaucoup. Et puis voilà, après c'est une merveilleuse conductrice, elle aime beaucoup tout ce qui est très très concret dans le cinéma, les marques, enfin, elle adore ça, ce jeu-là, avec les contraintes, soi-disant, qu'elle exalte. Et ça, c'est... les productrices nous appelaient les jumeaux. Ah oui, d'accord. Oui. On n'avait pas besoin de parler, on nous appelait les jumeaux. Et c'est aussi que j'ai une obsession comme ça pour Robert Musil, pour L'homme sans qualité, et il y a un personnage qui s'appelle Clarisse. Ouais. Et une femme à un moment qui s'en va et qui frôle la folie. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Clarisse. La construction du film, parce que si tout le monde n'a pas vu le film, c'est quand même l'histoire d'une femme qui s'en va. Ça semble, oui. Ça semble être l'histoire d'une femme qui... Voilà. On ne sait pas. Au début. Et à un moment, pendant une grande partie du film, la première vision du film qu'on a, le spectateur est assez déboussolé. Donc il y a une construction par rapport à une intrigue qui est une intrigue de deuil, de reconstruction, d'une femme qui essaie de se reconstruire après la perte des êtres qui sont le plus chers pour elle. Mais il y a toute une construction quand même qui est le contraire de l'improvisation. Il y a quand même quelque chose de ta part... Non, il n'y a pas d'improvisation. Il y a quelque chose de très construit et une volonté consciente de ne pas tout donner au spectateur, de brouiller les pistes, que le spectateur ne sache pas vraiment qui est parti. Ça, c'est ta construction. Ça, c'est ta... C'est dans le texte de Claudine, c'est ça qui m'a attiré. C'est cette inversion qu'elle a inventée. C'est-à-dire, j'ai qu'à me dire que c'est moi qui suis parti, se dit-elle. Et comme ça, eux sont restés. C'est pas plus compliqué que ça. Mais elle invente ce « eux sont restés ». Et voilà. Et c'est là que le cinéma... C'est, là que les c'est images, elle qui fait le film. C'est elle qui fait le film. Voilà. Oui. C'est elle qui fait toutes les images. Et elle le fait très bien. C'est-à-dire, elle a pas mal d'imagination. Et puis surtout, elle a un certain humour, une certaine ludicité. Oui. Et ça, c'est ça dont j'étais amoureux. C'était de son geste d'imagination. Et est-ce que tu peux te dire qu'à ce moment, à cet endroit-là de douleur, est-ce que c'est supportable ou est-ce que c'est jouable de se dire, est-ce qu'on peut avoir de l'imagination On le fait, c'est ce qu'on fait. Ouais. On pense à une séparation amoureuse. Oui, oui. On délire. Oui, c'est vrai. On délire. C'est vrai, oui. Et on délire la vie de l'autre. Mais on délire tout. Oui, 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 oui.
Oui. Puisque le passé n'est plus commun et que, en fait, quand on discute, le passé n'existe plus, puisque l'autre dit que c'est pas du tout ce qu'il a vécu, en fait, oui. ou qu'elle a vécu. Alors, là, donc, il n'y a plus rien derrière toi. Oui. Le présent, c'est l'enfer, et donc il reste un peu le futur, autant. Oui. Donc, on fait ça. Oui. Et c'est ça que je me suis dit, il y a peut-être du cinéma. Mais il y a une possibilité de cinéma, bah, une possibilité, film de fantôme. Oui. Et Mélo. Oui. Et c'était pas après une volonté de brouiller les pistes, parce que, comme là je te disais, je me suis promené beaucoup, j'ai eu envie d'aller dans beaucoup de villes pour rencontrer les, oui, le public pour après. Présenter le film. Et tu sais, en fonction de chacun, c'est vraiment, il y a de tout. Hein. Tu as eu quoi comme retour comme... Ça dépend de la vie de chacun. Oui. Ça dépend de la vie de chacun. Donc, c'est ce qui est devenu passionnant au montage, on s'est rendu compte vraiment avec François Gédigier. C'est que le spectateur fait exactement la même chose qu'elle, c'est le déni. Oui. Oui. C'est insupportable, comme tu as dit. Oui. C'est insupportable. C'est le cri qu'on pousse lorsque quelque chose d'horrible t'arrive. C'est-à-dire, on crie c'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Oui. Voilà, c'est ça qu'elle fait. C'est pas vrai. Et donc, et si ma fille avait grandi, eh ben, elle ferait du piano. Après, avec les garçons, elle a un peu moins d'imagination. Oui. Ça me plaisait bien. On va... Elle ne sait pas trop. Après, par exemple, quand Sacha... Viens, Sacha. Que les gens revoient ta tête comme t'as grandi. Voilà, Sacha. Et Sacha, c'est un sacré lutin, quoi. Il adore jouer. Il est extraverti, il est plein d'imagination, il est... La scène, je me souviendrai toujours quand t'as fait la scène, horrible quand même dans la baignoire, horrible, où tu devais rester sous l'eau longtemps, et puis tu devais crier, t'as cassé maman, et c'était horrible, et nous on pleurait derrière, et lui, on finit une prise, moi j'ai... Et puis, voilà, un de mes travaux, et c'était pareil avec Vicky, c'était de se débrouiller pour ne faire qu'une prise, ou deux... Voilà, c'est tout, oui, pas plus. Intact, comme non, ça, mais parce que tu vas pas réinfliger ça. Ouais. Tu vas pas réinfliger la découverte des corps deux fois, excuse-moi. En fait, j'ai mal placé les figurants, ils étaient masqués. Ah, non, c'est le moindre des choses. C'est pour ça que je le mettais en place et que je le faisais moi avant. C'est une vraie chorégraphie d'ailleurs. Mais il faut, pour que Vicky puisse. Voilà. Et c'était pareil. Mais là, lui, putain, il sort, il est là, et il dit « Ah, je peux le refaire !» Donc, et mais c'est vrai, je peux le refaire. Ah, mais putain, mais super. Et du coup, on a eu deux prises, quoi. Trois, même. Après, tu voulais refaire. Donc, ouais. Voilà, c'était... Mais les enfants aiment jouer. Voilà. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que l'enfant de Clarisse... Paul, dans le film, elle le fait grandir après. Et elle le fait grandir, donc il fallait un enfant plus grand, un garçon plus grand. Et là où je me suis dit ça pourrait être encore plus touchant, c'est que l'enfant, tel qu'il a grandi, se serait éteint. Quelque chose, il serait devenu introverti. Et c'est Sacha qui m'a inspiré cette envie. Parce qu'il était tellement, il est tellement amoureux de la vie, il est tellement... pétillant, quoi. Et du coup, je me suis dit, ça peut être terrible qu'en fait, elle n'a pas d'imagination et que ce gosse, elle imagine qu'en fait, puisque c'est une femme qui imagine qu'elle a quitté ses enfants, qu'il aurait souffert et qu'il se serait éteint. Ouais. Et donc, Aurel est un enfant, celui qui joue Paul plus grand, beaucoup plus timide. Oui, oui. J'aimais bien. Oui. Voilà, et c'est comme ça qu'on... Surtout... Tu peux te rasseoir. Hein. C'est juste... Sur toutes ces scènes d'imagination, il y a un parti pris aussi formel qui était important pour toi. Les scènes où elle imagine, même au niveau de la lumière... Que ce soit pareil. Oui, mais on a l'impression que c'est quand même un grain qui est un peu plus presque lumineux. Non, ça non c'est toi qui l'as d'accord. Forcément ouais. imaginé. Ouais. Avec Bocan, Christophe Bocan, qui fait l'image,
Je lui ai montré juste Les gens de la pluie. Donc oui, il y a un grain. C'est un film de 1969. Et oui, parce que elle se fait un film. Donc elle se fait un road movie. Et du coup, comment faire pour avoir une vieille voiture et pas une Break 306 d'aujourd'hui? Comment je pouvais justifier ça dans l'histoire? Bon, ben voilà, on a trouvé un moyen. La boîte de nuit. C'est la voiture de... On s'en rend compte dans le flashback que c'était la voiture de son homme. Et qu'en fait, c'est avec cette voiture qu'il a amené les enfants à la neige la dernière fois. Et donc, elle peut communiquer peut-être avec eux, comme une soucoupe volante. Enfin, pour moi, c'était ça, la radio, l'antenne. Les... Et puis, elle peut imaginer donc sa fille qui joue de mieux en mieux et qui va dans des répertoires plus libres. Mais ce qui est le film, finalement, il n'y a presque plus de dialogue, il n'y a plus que de musique. Voilà. Alors, je veux revenir à la musique qui est quand même pas rien. Même si Barbara peut évidemment parler de musique. Oui. Mais là, je trouve qu'on est... la musique est un personnage, est un élément déclencheur du souvenir. Tu la traites vraiment de manière beaucoup plus... pas beaucoup plus sérieuse, mais frontale, j'ai l'impression, que par rapport à d'autres films. Puis là, on a tout un répertoire en plus, qui est une richesse. Ah bah oui, du coup, ça, je me suis amusé. Mais toi, alors, petite question, mais ton rapport à la musique quand J'ai même, fait du piano. Mais j'ai l'impression que c'est important, ça a été important pour toi quand même. Oui, ça l'est encore plus maintenant. Mais j'ai fait du piano et on vivait à Moscou avec mes parents. Donc, Mais il y a quelque chose de très... Voilà, je t'interromps, excuse-moi. Oui. Mais de, presque de très russe, ah bon, je trouve. Mais dans le film, dans les intérieurs, dans quelque chose comme ça. Et moi, je me suis dit ça à un moment. Alors, j'étais pas en Bretagne. C'est ça qui est bien avec les films, chacun, en fonction de ses odeurs, de sa vie, peut projeter des choses complètement différentes. Voilà. Non, mais c'était une parenthèse. Oui. En tout cas, je grusse. Enfin, en tout cas, pas consciemment. Mais peut-être parce qu'il y a un piano. Alors peut-être. Il suffit qu'il y ait un vieux piano en bois et tu penses à Konchalovsky ou à Mikhalkov. Mikhalkov, voilà, plutôt, mais c'était les intérieurs aussi. L'attention portée aux intérieurs et à ce soin-là. On a, avec Laurent Baud, le décorateur, donc il y avait cette maison, c'est pour ça qu'on a tourné près de Saint-Gaudens et chez Jean-Marc. Jean-Marc, c'est lui qui joue le gendarme, par exemple, c'est le propriétaire de la maison. Et parce qu'il n'y a pratiquement pas d'acteur dans le film. Il n'y a pas d'acteur. Ah oui, d'acteur professionnel. Oui. Oui. Il y a Aurélia Petit, Erwan Ribar et Samuel Mathieu qui jouent le collègue de travail. Et Vicky et Arié. Oui, et puis il y a beaucoup de... C'est les pauvres, c'est les gens dont on avait choisi le café ou Kouka, l'aubergiste. Tout le monde peut jouer. Hein. Oui. Dans la musique, pour revenir. La musique, oui, évidemment, ça m'amusait d'imaginer ce que je serais devenu si j'avais continué le piano. Déjà. Et puis, je vis avec une musicienne depuis 7 ans. Donc, ça, là, j'arrive du montage, si tu veux. Donc, ça fait 12 ans que je filme un musicien qui s'appelle John Zorn. Donc, c'est des films qui sont montrés que lors de ses concerts. Entre deux sets de musiciens. D'accord. Je fais le caméra et le son tout seul. Et je fais ça tout seul. Hein. Et avec Caroline de Tourné, une monteuse, quand Zorn nous dit dans un an, on est à Lisbonne, est-ce que tu crois que tu peux en avoir un deuxième? Super, tu me donnes une date, Et j'arrive avec un deuxième, et puis du coup, je continue le troisième, et je mets juste « To be continued ». Ah, génial. Donc là, je monte le troisième. Ouais. Et tu peux passer au studio. Et c'est que de la musique en train de se faire. Et donc, la vie est des fois bien faite. John Zorn a écrit une pièce pour Barbara Hannigan, la soprano, chef d'orchestre. Avec qui... Et ce film sur John Zorn, on pourra le voir au cinéma du réel. Alors, tu m'as dit. Catherine Bizerne, depuis 3 ans, avant le Covid, avait
il faut jamais montrer des bouts. Enfin, c'est vrai. Voilà, elle avait, je lui avais montré des trucs et elle avait voulu les programmer. Et j'ai dit, mais tu sais, mais moi je les montre, c'est que lors des concerts de John. Ou alors, Beaubourg invite John. Et ils font un concert. Et on montre les films. Et c'était presque le cas lorsque le Covid est arrivé. Et ensuite, l'année suivante, elle avait redemandé. Et puis là, elle a redemandé. Alors ça m'a beaucoup touché, ça. Qu'elle soit aussi visiblement. Donc là, oui, c'est vrai que le 3 va être montré pour la première fois lundi 14 mars. Mais en fait, il va être montré surtout la première fois à Hambourg, le 19 mars, lors des marathons musicaux de John Zorn, d'accord, qui pendant 4 jours est à la Philharmonie de Hambourg. Et il y a une constellation de musiciens, parce qu'il écrit à la fois du... C'est un saxophoniste new-yorkais qui écrit à la fois du noise, du klezmer, du classique, pour 5 voix de femme, de tout. Mais tout, j'ai même pas eu le temps moi en 12 ans, je ne peux pas entendre toute la musique qu'il a fait, tellement il y en a. Et c'est cette espèce de boule d'énergie, et je suis certain, ça j'y ai pensé après coup hein, évidemment, c'est évident que le fait de filmer de la musique aussi souvent fait que les dialogues disparaissent, les films soi-disant de fiction. Mais là, je reviens à Serre-moi fort, il y a une note qui est presque, oui, qui va déclencher l'imaginaire. Mm. Il y a quelque chose. Ça interroge sur notre, déjà évidemment la capacité évocatrice de la musique. Comment une note, une musique peut nous envoyer comme ça, mais très 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 loin. C'est ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé le piano. C'est pour ça que je parle de vaisseau spatial. Elle a trouvé cet objet, ce piano. Elle trouve des cassettes dans la voiture avec des gammes à la con, quoi. Et elle les prolonge. On fait quand même tout ça quand on fait de la musique. Enfin, d'espérer un jour. C'est tellement de travail, la musique. Ah oui. C'est tellement de travail. Depuis l'âge de 4 ans... Et il se dessèche, sauf certains, quoi. Donc c'est autre chose, c'est très, très, c'est vraiment... Toi, tu aimais jouer quoi, ou tu aimais quoi? Tu aimais écouter quoi quand tu joues? Moi, je jouais du classique. D'accord. On rejoint ce qu'on entend dans le film. Oui, j'ai commencé par la lettre à Élise, la sonate numéro 1, ouais. Grabus. Voilà. Non, moi c'était les... Oui, après, bon, j'avais... Peut-être pas Ligeti. La pathétique. Non, j'ai jamais été jusqu'à Ligeti. Non, bah non. Justement. Non, bah... Mais Barbara, Hannigan, Barbara, elle a travaillé avec Ligeti. Elle a travaillé avec Dutilleux, elle a travaillé avec Boulez, elle a travaillé avec ce répertoire aussi de la seconde école viennoise de Webern. Son personnage, sa vie, c'est Loulou d'Almenberg. Donc, qu'elle a joué à l'opéra plusieurs fois, c'est la voix, d'accord, humaine de Poulenc, c'est tout, d'accord, ça. Donc, ben voilà, je suis là-dedans. Ouais, ouais. Ben ça, on sent. Et Barbara était là le jour où Juliette... Donc Juliette qui jouait la scène où elle jouait Ligeti. Où elle joue Ligeti, voilà. Et c'est ça. Coup de bol, Barbara, et c'est le seul jour où elle a pu passer sur le plateau. Putain, donc elles ont pu se parler entre musiciennes. Mais elle l'a rendu animal, quoi. Toi, tu te poses des questions de cinéma, tu te poses des questions de cinéaste, de cinéma, quand tu entends la musique. Non. Cinéaste, non. De cinéma, enfin, c'est cinéma. Un mot, oui, qu'on n'emploie jamais. Okay, d'accord. De cinéma. Non, juste. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce d'accord, que mais... c'est amusant? Est-ce que on comprend? Non, mais est-ce que c'est intéressant de pas comprendre? Où est la sensation? Comment on fait pour et de gaver le plan de possibilités de bifurcation? Pour celui-là. C'est-à-dire de demander à Christophe, l'accessoiriste, et à tout le monde, d'amener les objets qui avaient déjà servi dans un autre plan. Les cornflakes, je voulais qu'ils soient toujours là. Quand elle porte, Arié porte Sacha dans le lit avec un drap blanc, oui. C'est le même que le marché avec le poissonnier. Oui. Parce que je me suis dit, tiens, garde-le, on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment, puisque c'est elle qui invente.
Je me suis dit, tiens, ça pourra faire une bifurcation. Oui, mais tu te dis pas, tiens, le matin même de la scène, quand même. Si tu l'as, J'ai été beaucoup premier assistant, régisseur, donc je sais jusqu'où je peux pousser. Voilà, c'est ça. Par rapport à une équipe, tu sais jusqu'où il faut demander des trucs en avance. voilà. Et puis, il y a aussi l'avantage de travailler avec une troupe. Ça fait 20 ans. Oui, il commence à te connaître. Donc, si tu veux, on ne sait même plus qui fait le film, franchement. Et Auffray, dont il y a. C'est lui l'accessoiriste dont il y a dans le DVD aussi une galerie de photos. Oui. Il y a des très beaux portraits de toi aussi. Tu as vu, il faisait des photos, il avait le temps de faire des photos, quoi, tout en étant accessoiriste. Et ben voilà, c'est lui, il sait, il garde. Et puis ça ressort, et puis c'est comme ça que tout d'un coup, l'attrape-rêve, enfin voilà, il est là à la patinoire, donc il peut être là au café aussi. Voilà, des choses comme ça. Je reste préparer vos questions. Et puis de se débrouiller pour celui-ci, en tout cas, et aussi parce que on tournait avec des enfants, que ce soit pas, on tourne pas des petits bouts, qu'on parte pour toute la scène, quoi. Qu'on parte pour toute la scène et qu'on le fasse pas trop souvent. Et donc ça, c'est là où je leur donnais des repères assez précis, des rendez-vous. Et alors sur l'improvisation, c'est toujours un mot compliqué, l'improvisation, mais ça, oui, ça permet d'avoir des accords communs qui permettent d'avoir son solo, quoi. Est-ce que toi, avec tous les réalisateurs avec lesquels tu as tourné, tu les observes travailler, tu leur prends des trucs? Est-ce que tu... Pas pendant que je suis en train de jouer. Hein. Non, vraiment. Ça me demande beaucoup de travail pour... Non, mais toi, réalisateur... Pour me plonger dans le truc d'acteur, là. Non, je les reconvoque plus tard dans ma tête. D'accord. C'est pas quelque chose juste de pratico-pratique, genre, ah tiens, il fait... Non, d'accord, ok. Quand tu es dans un film, tu vas, quoi. Non, t'es pas là pour... Je suis à eux, quoi, j'y vais. Et j'essaye d'être, encore une fois, comme un musicien d'orchestre, c'est-à-dire d'être capable de reprendre le texte absolument n'importe où. 142, hop, on démarre à 142 comme les orchestres, quoi. C'est juste extraordinaire. Et qu'il y ait cette sorte de rigueur-là. Oui. Donc s'ils veulent plus vite, s'ils veulent plus lent, à l'envers, à l'endroit. T'es un instrument, quoi. Ouais. Apprendre sans aucune intention, pas avoir d'idées, c'est très, très, très mauvaises idées. Aucun principe. Et puis c'est tout. Et puis j'aime les Larieux, j'aime Arnaud. Et voilà. Et puis après, j'ai eu du mal à me faire couper les cheveux après Tralala. Là, ça vraiment une des rares. Ça m'a vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'ai aimé ce Jésus-Christ superstar là. Bah oui. Ouais. Et donc, c'est des cadeaux quand même. En plus, Barbara me donnait des cours de chant, du coup. C'était juste pendant le premier confinement. La musique, toujours, il y a un passage où tu y a une petite incise comme ça sur Martha Argerich. Dans le texte de Claudine. Ah, c'était dans le texte. Dans le texte de Claudine, il y a écrit à un moment... ma mère est Martha Argerich. Moi, j'ai changé pour ma fille Martha Argerich, mais parce que dans le pièce de Claude, dans le texte de Claudine, le personnage, j'ai oublié son prénom dans la pièce. Camille, merci. il y avait aussi la grand-mère. On sentait qu'elle avait eu un problème avec le piano à cause de ses parents, ce qui est le cas de tous les enfants. Hein. Les parents deviennent dingues avec cette histoire d'apprentissage d'un instrument chez les enfants. Et on projette
trop de choses sur eux, les pauvres. Et du coup, oui, et là, bon, c'est devenu ma fille, mais Martha Argerich était nommée. Et après, c'est ça, comment tu fais? Qu'est-ce que tu peux inventer comme situation? Pourquoi elle arriverait comme ça, Martha Argerich? Et puis, je voulais aussi, c'était un moment, c'était la troisième partie du tournage, parce qu'il faut voir aussi qu'on l'a tournée en trois fois. En plusieurs. Parce que l'histoire nous y obligeait, et parce que j'adore ça. Parce que du coup, ça me permet de monter entre. D'accord. Et puis du coup, c'est plus mon film, je suis un peu spectateur. Donc je trouve ça... Tu fais d'une contrainte comme ça, hein, une sorte non, de... Non, c'est pas une contrainte, au contraire, c'est extraordinaire. Ouais. Et puis on se retrouvait tous les six mois, chacun avait vécu des choses, et ces choses-là, joyeuses ou terribles, étaient forcément dans l'équipe, dans le plan. Ouais. Et ça, c'était la troisième partie du tournage où j'en avais ras le cul, quoi, de cette histoire de femme qui avait... vécu, qui était en train d'attendre le retour. Parce qu'en fait, si je remets tout dans l'ordre, il y a eu un accident en hiver, et elle doit attendre le printemps. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut faire passer du temps, et comment faire pour passer ce temps horrible d'attente? C'est tout. Et après, elles vont à la maison, à l'automne. Oui, au printemps, et puis après à l'automne, quand même, elle a la force de vendre la maison. Voilà. Oui. En fait, voilà. Donc le troisième partie de tournage, vraiment j'ai dit à Vicky, j'en ai marre en fait. J'en ai marre. Tu sais quoi? On va oublier là que t'as perdu tes enfants. On oublie, on va faire des trucs rigolos parce que j'en ai marre. Elle dit, moi je veux bien. Et puis elle m'a dit, je lui ai demandé comment ça allait, elle m'a dit ça va, mais enfin j'ai envie de jeter les enfants par la fenêtre, mais à part ça. Oui, donc voilà. Donc du coup, j'ai dit, mais t'as raison, il faut qu'elle dise du mal d'eux un peu de temps en temps. Et donc voilà. Pourquoi on n'arrête pas de transformer les absents en merveilles? Mais non, j'avais envie de partir, quoi. Puis t'es chiant, et puis ça... Il y a toujours Brigitte Fontaine. Alors ça, par contre, il y a du Brigitte Fontaine partout, dans mes films, partout, tout le temps. Donc là, il doit y avoir au moins trois trucs de Brigitte Fontaine. Quand elle dit « Marc, c'était un meuble », en fait, c'est une très très belle chanson de Tarisky et Brigitte Fontaine sur ce que c'est que la vie... De couple. Ouais. Qu'un jour t'es une étoile et qu'un autre jour t'es un meuble, quoi. Ça dépend des jours. Mais c'est assez beau aussi, s'engueuler dans le couple. Je me rappelle plus ce qui est dit là. C'est chouette. C'est le bon moment. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Elle dit ça. Donc voilà, c'est ça. Et heureusement qu'il y a eu ça. Ouais. Et du coup, on était plutôt dans un moment où. Peut-être. Je sais pas, peut-être elle a envie de... Elle vient de dire du mal de lui, et je sais pas, et je voulais, et c'était pour ça que c'est arrivé. Hein. Ouais. Je voulais quand même qu'on sente que ces deux-là, c'est très physique. C'est un amour dans la peau, quoi. Et voilà, et donc il fallait trouver un poilu. Enfin, puisqu'Arié était poilu. Et puis la pauvre personne qui s'est retrouvée poilue, c'était l'assistant d'écho. Parce que j'ai pas le temps de faire venir des acteurs, puisque j'invente ces trucs-là comme ça. Ouais. Et donc Jean-Philippe s'est retrouvé à faire le flûtiste. Oui. Ah mais elle est assez touchante. Mais ça c'est la dernière scène qu'on a tournée. D'accord. Le dernier jour. Puis c'est ce geste très simple. Avant, j'avais écrit des trucs. Normalement, elle lui faisait l'amour par terre. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ensuite, c'est devenu... Et là, ça, on l'a tourné, par contre. Je me suis dit, tiens, elle va lui dessiner les tatouages avec un bic. Donc, on a fait ça. C'était compliqué. c'est très sexy. Et puis, on est arrivé à ce geste. Qu'elle a inventé. Non, que vous avez inventé. Ouais, avec Vicky. Ouais. Avec Vicky, on dit toujours, c'est notre film. Et c'est ça, c'est notre film. Elle a failli venir ce soir, tu m'as dit. Elle est là, on se retrouve là, elle tourne là. On aurait aimé la voir. Mais elle finissait trop tard. Tu lui passeras nos amitiés, même si elle ne connaît pas, mais vraiment. Si, elle te vous connaît. Ah bon, bien elle connaît la boutique. Bah oui. Ah. Ça fait plaisir. S'il y a des questions, levez la main, profitez-en. On a Mathieu pour nous ce soir. C'est ceux qui ont vu le film ou pas, ou sur le film ou sur d'autres choses.
lever le bras ou tu intimides les gens. Ah, voilà. Allez, on va personne. Du coup, maintenant que vous souhaitez être plutôt réalisateur, peut-être scénariste aussi, vous avez fait beaucoup d'adaptations dans vos réalisations. Moi, j'ai l'image de vous très créatif, très fantaisiste, avec une grande vivacité d'esprit. Est-ce qu'on aura un jour un scénario original de votre part? J'aimerais bien voir si ce que vous avez dans la tête, ce que vous pouvez nous sortir. En plus, maintenant que vous êtes sous le beau soleil de Bretagne, en plus, qui est très tumultueux, donc c'est voilà, 4 saisons, une journée, donc c'est l'occasion. Est-ce qu'on aura ça un jour? Non, mais j'en ai fait, tu sais. Hein, tu parles, mange ta soupe, c'est, tu vois, autobiographique et tout. Non, tourner, c'était aussi. Non. Il y a des trucs. Après, j'ai un grand plaisir dans la commande. J'adore ça. Là, par exemple, Nicolas Bouchot, qui pouvait pas jouer au théâtre Maître Ancien de Thomas Bernhard, parce que évidemment, le théâtre était fermé. Eh bien. Il m'a demandé comme ça si on... parce qu'il savait que j'avais vu la pièce et que j'avais commencé à adapter Maître Ancien il y a très 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 longtemps de Thomas Verne pour le cinéma et Culture Box avait donné un petit peu d'argent et donc il y aurait eu 25 techniciens, 6 caméras, une captation quoi. Et alors j'aurais dit je sais pas. Une caméra, 4 techniciens, peut-être 3 jours, je crois que ça sera à peu près le même prix, c'était le même prix. Et donc, dès que tu prends une seule caméra, tu fais un film. Donc là, on a fait ça. Et j'ai adoré faire ça. Et là, la première fois, je travaillais, non pas avec un chef opérateur, mais avec un caméraman, qui s'appelle Berthaud, qui était sur tournée déjà, qui était sur le scaphandre et le papillon. C'est par exemple lui qui faisait... ce que voit le personnage. Et là, j'ai appris plein de choses. Sur le découpage. Donc on a fait ça en 3 jours, 1h30. Voilà, j'adore faire des trucs comme ça. Et puis la vie d'acteur va recommencer. Là, je vais partir... de Hambourg directement. Je commence le 21 avec Nanni Moretti. Donc ça, c'est un peu dingue parce que... J'ai jamais tout. Mais non. Non. Vous ne connaissez pas. En fait, je le connais par cœur. Parce que nous, c'était les VHS. Je me souviens, je faisais des travaux en bâtiment à l'époque. Et puis, il y avait FIP. Et puis tu pouvais gagner des VHS. Et j'avais bien répondu à la question, j'ai le VHS de La Messe est finie. Ah oui, d'accord, ok. C'est collector, ça. Que j'avais gagné sur FIP. Et donc, ça fait partie, Nanni Moretti, des gens qui vous ont donné envie de faire du cinéma et puis même de vivre, de tout. Tout. C'est des amis, quoi, dans la solitude, dans une relation à ta mère, que t'oses pas taper, alors que lui, il a raison, mais ouais, faut faire comme ça, faut la taper, en fait, et tout. Parce que c'est... On se souvient pas, mais c'est très violent. Les scènes... Et puis après, il y a toujours un moment de danse. Enfin, voilà. Et là, il fait un autre film. Plutôt dans la veine, en plus, de tel que je l'ai découvert à l'époque, c'est-à-dire Sogni d'oro, des choses comme ça. Toi, dans ce que tu acceptes, c'est le projet qui t'emballe, c'est le parce que tu acceptes des deuxième rôle, troisième rôle. Ah oui, c'est la personne qui fait. Oui, la personne. Hier, on était avec les frères Guit, les frères Guitos, là, fils de Plouc, qui est un film de 22-23 ans, belge. D'accord, ok. Qui vivent à Paris, voilà. Je suis venu une nuit. Oui. Je ne connaissais pas l'histoire, je venais une nuit, parce que je les aimais bien. D'accord, ok. Non, je fais des trucs comme ça, mais après, ce n'est pas tellement souhaité être réalisateur, mais c'est ça qui c'est ma vie, quoi, c'est vraiment... C'est ma vie, et puis des fois, voilà, des gens que j'admire, ou des cadeaux comme Nanni Moretti, ou des amis comme les Larieux, que j'admire... Vous, voilà. Et j'ai pas le choix. Et puis du côté, essaye de. Ouais. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'arrêter, parce que.
Il n'y avait plus rien à donner. Il y a un moment où oui. Où... C'est un art de jouer. C'est un vrai art. Et donc, là, j'entendais l'autre jour Damien Bonnard et Vicky Krieps à la maison en train de parler ensemble de comment y préparer. Oh, c'est beau. Ouais. Mais il est venu parler des Intranquilles, Damien. Et vous a raconté. Il était peintre, Damien. Oui, mais voilà, mais il a une histoire incroyable. Bah oui. Moi, je l'ai connu avant qu'il... Il y a une question... Oui. Merci. Non, je ne pensais pas forcément... j'ai une petite voix avec le micro... c'est pas forcément une question, c'était plus le ressenti que j'avais eu après avoir vu le film, parce que c'était pas non plus un film trop plombant, ou quand parfois ça parle du décès ou tu ressortes un peu plombé, c'était beau de voir ça. Et je me suis juste demandé, parce qu'au début j'ai eu du mal un peu à comprendre, je me suis dit attends, mais c'est qui est absent, c'est qui le fantôme de qui, et je voulais savoir comment vous avez superposé un peu pour créer à la fois le mystère, mais enfin on comprend quand même, quoi. Voilà. On comprend, en fait, on sait. Pour ça, je parlais de déni. En fait, on sait. Et mais elle le fait tellement bien qu'ils sont tellement vivants. D'où la non-différence, si tu veux. Souvent, le mot qui revenait le plus, c'était l'hyper-réalisme que les scènes. Alors pas avec Sacha, parce que les scènes avec Sacha. Enfin non, il y en a des fausses aussi, elle imagine un peu des trucs, mais que ce soit hyper réaliste, qu'il n'y ait pas de filtre bleu lorsqu'on passe à la projection, quoi. Ben oui, c'est ça, elle projette, en fait, c'est un état de projection. Et non, mais tant mieux, parce que ça, alors ça, que ce soit pas plombant, c'était vraiment vital pour moi. C'était au contraire, c'est pas du tout un ode à la mort. Je trouve que c'est ignoble, quoi. Au contraire, c'est comment on arrive à vivre avec eux, quoi. Le texte de Claudine, il y avait un retournement final. Pendant toute la pièce, c'était vraiment l'histoire d'une femme qui partait et qui faisait ses enfants lui manquaient, son mari lui manquait, elle essayait d'imaginer leur vie. Et c'est vraiment à la fin, par un cœur antique, parce que on parle de pièces de théâtre, mais l'écriture de Claudine, elle écrit avec de la graphie différente, avec des superpositions de voix, avec de l'italique, avec un cœur antique, par exemple, c'est des gens qui s'expriment A, B, C, D. Voilà. C'est comme ça qu'on découvrait à la fin. Tout d'un coup, A disait, ils ont disparu tous les trois. Voilà. Et le personnage de Paul ne s'exprime presque que par chanson, par poème, dans le texte de Claudine. Et c'était tout à la fin. Et j'avais écrit le scénario comme ça. Et c'était très payant, parce que justement, il y avait un retournement final. Donc j'ai eu de l'argent pour le faire, parce que, waouh, il y a un switch et tout, c'est super, je me suis fait avoir. Ouais. Et puis on a tourné d'abord comme ça la première partie. Et puis après, je commençais déjà à sentir qu'on était peut-être un peu trop en distance vis-à-vis de ce qui se passait dans la tête de cette femme. Et que c'était nous les marionnettistes. Mmh. Et ça, c'était terrible. Et dès le début du deuxième tournage, j'ai commencé à gerber, quoi, de ça. Du contrôle de la personne en train de faire le film. Je me suis dit, mais non, il faut lui donner le film. C'est elle. Film. Oui. Et c'est elle qui fait le film. Oui. Et donc après, au montage, ce qui s'est passé, c'est qu'on a avancé la scène la première scène dans la neige, qui était à la fin. Et elle vient à 27 minutes du film. Et même après, j'en ai ajouté d'autres avant, à 15 minutes du film. À 13 minutes, en fait, elle dit tout. Elle dit tout à 13 minutes du film, même dans la station-service. Elle le dit. Tu sais, je les vois. Alors, c'est pour ça que je te dis que les spectateurs, là, en fonction, malheureusement, de ce qu'ils ont pu vivre ou pas vivre, ou etc.,
Ils se prennent, voilà, ça dépend. Oui, mais c'est ça, c'est là. Et puis il y en a des gens, ils adorent ça, j'adore aussi. Ils disent non, 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 mais c'est pas vrai, elle a inventé. Non, 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 mais même la fin, en fait, elle l'invente. Elle invente parce qu'en fait, elle voulait partir. Et donc, elle préfère imaginer que je l'ai fait mourir, et comme ça, j'ai pas de culpabilité pour être parti. Alors, je lui dis, mais là, vous racontez quelque chose sur vous-même. Et donc, en fonction de chacun, parce qu'on a tous projeté comment partir un jour. On a tous projeté le fait que, malheureusement, la porte d'entrée fait trop de bruit, quoi. Donc, comment on fait? Et qu'est-ce que je fais de la carte bleue? Et qu'est-ce que je fais du téléphone? On l'a fait. On l'a fait. Voilà, donc elle. Mais il y a quand même la force du cinéma et la force des images qui fait que la contre-histoire ou la double histoire, la double narration fait que, ah ben non, c'est réel. Bien sûr. L'imaginaire devient une réalité. Ah, mais non, mais bien et sûr. C'est ce qui est assez fou, c'est pour ça que je serais curieux de voir à l'écriture comment ça passe ou ça passe moins ou ça passe différemment. Parce que c'est ça la force du cinéma, c'est que tu mets en concurrence quand même deux imaginaires, deux représentations du réel. C'est ça. Au montage, par exemple, je pense à la scène. Pas avec Sacha, avec Aurel, la scène des crêpes du petit déjeuner. Ou quand même, non. On sait que c'est pas sa fille, celle qui est qu'elle a choisie à l'école, là, qui a grandi, et qu'elle fait une greffe, quoi. Elle l'a fait rentrer dans la maison. Et elle fait s'y croit. Et en fait, ils l'ont oublié. Et ça, ah merde, elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin, elle le fait trop bien. C'est une belle idée de cinéma, ça. Ouais. Oui, mais dans le texte de Claudine, il y avait comme ça des choses qui suggéraient. C'est vraiment une espèce de. C'est pour ça que je te parle. De fouille archéologique du texte de Claudine. Et après, ça déclenche des choses, tu sais, qui viennent, oui, bien sûr, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Alors, non, juste pour finir ça, le truc de. Donc, on a tourné ça. Et. Tout était, donc ça on l'a tourné au printemps, la voix, Vicky était dans une autre pièce, donc, parce qu'il faut le faire en direct, tu vas pas faire ça en audi, en post-synchro, avec qui va jouer Arié. Donc elle était avec un micro et un écran, elle entendait, et Arié lui avait une oreillette, pas les enfants, et du coup elle pouvait lui parler. Ils pouvaient se parler. D'accord. La scène, c'était ça. On l'a montée, c'était ça, c'était super. Et puis, on retourne dans cette maison 6 mois plus tard. Et je vois la cuisine vide. Je me dis, c'est fou, elle a imaginé ça de là. Ah. J'ai Vicky. Attends, tu pourrais apprendre le montage. Attends, écoute, elle me dit, mais je ne veux pas regarder. Non, 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 mais d'accord. Tu la prends juste au son. Donc, elle a appris la scène qu'on avait montée au son, et elle se l'est rejouée seule dans la cuisine. La scène que donc elle avait fait, elle, uniquement avec la voix. Oui. Et ensuite, au montage, tu fais percuter ces deux choses. Ouf. Et là, c'est là, il est là, le mélo. Parce que, et c'est ça qu'on veut pas voir, c'est elle seule dans la... On préfère oublier. Je ne l'ai pas vue seule dans la cuisine. C'est pas vrai. Ramenez-moi... Là, quand il rigolait avec ses enfants, hein, et qu'ils envoient de la farine partout, et puis c'est pour ça qu'elle pleure. Et Vicky m'a dit, c'est ça, elle était là-haut toute seule, et elle les voyait dans un écran, et elle ne pouvait pas être là. Et c'est ça qui l'a fait pleurer. Je ne lui ai pas dit, il faut que tu pleures. C'est pas... Mais c'est ça qui lui est venu. Donc c'est du son direct. Donc... Mon travail, c'est juste de trouver un dispositif à chaque fois le plus juste possible, une toile d'araignée qui permette à pas de l'improvisation, mais quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire que raconte la scène. Voilà. Quand on trouve les corps, je les fais d'abord et je lui ai dit c'est bizarre, en fait j'ai eu envie de le taper. Et c'est tout, j'ai même pas eu le temps de finir. Je me dis, Et voilà. Mais je lui dis, c'est la colère qui vient d'abord, en fait. C'est pas la peine. C'est pas. M'a foutu ma vie en l'air, quoi. Donc, voilà, c'est des trucs comme ça. Une fois que t'as ça, bon, ben.
Il y a beaucoup de films sur les fantômes, il y a eu des films, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu des années comme ça où il y a eu des fantômes, des morts, des années qui sont traversées par ça. C'est curieux parce que je repensais spontanément à un film que j'avais fait avec Benoît Jacquot qui s'appelle À Jamais. Oui, c'est vrai. Hein, mais je pensais que c'était toi, qui étais resté. J'avais inversé le film. C'est pourquoi je pensais à ça, parce que je te voyais, ça avait été tourné au Portugal, tu écrivais dans une maison. Oui, c'est elle, d'ailleurs, c'est vrai, elle fait ça. Elle fait comme s'il était encore là. C'est un texte de Don DeLillo. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ça. Jaco. Ouais. C'est Paolo Branco, c'est mon papa en cinéma. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a eu beaucoup de. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression. Oui, mais il y en a beaucoup. Mais là, c'est ça, c'était de. Qu'on se dit, ah putain, mais elle a raison, je vais faire comme elle, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'étais amoureux de son geste d'imagination et de sa ludicité. De son humour. Elle a envie de le voir nu, pouf, elle peut le voir nu. Et puis elle a un peu vieilli, alors tiens, il a un peu grossi. Mais ça, c'était dans le texte aussi. Et puis, sa fille, ma fille, elle a grandi, donc il ne peut plus être nu devant sa fille. Ouais. Bah, donc j'ai mis la porte. C'est tout. Tu vois, tu me dis, tu projettes, elle a grandi, donc tu ne peux plus. Voilà. Et elle s'amuse. Et c'est pour ça qu'on l'entend après pouffer. Ouais. On l'entend. Mais c'est curieux parce que tu fais tout dans tes films. Alors s'il y a cette constante là, c'est que le film devient, c'est pas forcément des mises en abîme, mais devient une matière en elle-même. Ben je sais. Et pas surplombant. Nous on n'est pas. Mais toi en tant que celui qui réalise, celui qui est derrière la caméra, j'ai l'impression que tu prends. Je sais pas si c'est un plaisir fou, mais que voilà, t'en fais une matière et tu expérimentes. Oui. Clairement. Et dans Barbara, c'était. Bah, oui, alors je ne dis pas, faut que j'expérimente. Non, mais ton tempérament. C'est ton tempérament C'est certain que ça, c'est assez étonnant quand même à quel point le cinéma, avec l'âge, mais c'est merveilleux ça, hein, me semble en expansion. Mais ton cinéma. Non, je pense pas. Non, je pense pas mon cinéma. Non, mais mon attirance ou la curiosité. Enfin, je sais pas. Tu vois. Oui. Mais ton goût pour le cinéma, oui. Voilà. Et puis tu arrives à un âge aussi. Et puis comme c'est la même équipe, ils sont mon cœur. D'accord. Ça, c'est bien. Okay. Donc ils vont pas me laisser tout seul. Oui, d'accord. Il n'y a pas d'artiste ou d'auteur ou de conneries comme ça. Donc je ne suis pas dans une tour d'ivoire. Non, il y aura toujours Christophe, les deux Christophe, ou Olivier Mauvezin, le géant du son, ou Dylan, le premier assistant, qui est. Quoi? Ah oui, d'accord. On a déjà fait ce truc-là. Oui, d'accord. Ah oui, ils sont comme ça. Ah oui, heureusement. Mais heureusement qu'il y a ça. Il ne faut surtout pas d'esprit de sérieux, sinon on commence à faire de l'art. Et là, c'est le cochon qui arrive et tout, et c'est l'enfer. Non, mais je ne déconne pas. Je ne sais pas, parce que je vis en coloc en ce moment, donc il se trouve que j'ai la chance de vivre avec un écrivain et un musicien. D'accord. Mais celui qui souffre le plus, c'est l'écrivain. Il est seul. Mais quel enfer. Mais c'est vrai. Parce que lui, qu'est-ce que tu veux? Il faut qu'il... Le musicien, il organise des tournées, il invite... On n'est pas seul. Donc, il y a les... Toi, t'es pas se moquer. Aussi... Oui, voilà. Et donc, voilà, ça aide beaucoup aussi. Mais après, je t'avoue que j'ai dit aux filles, je les appelle les poissons, excusez-moi, mais c'est les films du poisson, oui. Yael et Laetitia, elles s'appellent elles-mêmes comme ça, hein, et même pire, et que si je leur filais pas un truc dans l'ordre, cette fois-ci, elles me le jetaient à la gueule. Voilà. Oui, okay. Ras-le-cul de la poésie, mais vraiment ras-le-cul. Et là, pour tout te dire, mais ça c'est toujours comme ça, hein. Là, c'est fini là. C'est fini ce genre de conneries. Le prochain projet alors, c'est ça, Mais moi ce que j'adorerais, c'est que quelqu'un me donne un scénario de comédie, parce que je veux faire de la comédie, c'est le genre
que j'aime le plus. Ouais. C'est mais ce que tu fais le moins. Plus. Alors, ah, non, tourne. Non, j'en fais. Mais là, par exemple, je ne pouvais pas dans celui-là. Donc j'ai mis le maximum que je pouvais de blagues. Ouais. Mais c'est dur, hein, de mettre des blagues. Oui. Là. Et il y a une sorte de naturel quand même qui y a quelque chose qui revient quand même à des choses un peu plus graves, un peu plus profondes. Non. Bah quand même. Ouais, peut-être. Un peu enfin, quand même. Malgré toi. Hein, Mais non, parce que et donc. C'est ton tempérament. Ça, j'aimerais ça. Ouais. Mais t'en fais avec les autres aussi, des comédies. Oui, oui. Et puis avec Barbara, mon amoureuse, qui est très drôle. Ah ben, c'est important. Hein, c'est... Et alors qu'ils travaillent comme dans une précision musicale absolument de il n'y a même plus d'air pour respirer, tellement c'est difficile ce qu'ils font. Je t'ai fait choisir quelques films. Oui, alors, quelques films. J'ai pas retrouvé mes cahiers. Non, en fait, ils étaient au poisson et ouais. Je ne les ai pas récupérés. Ouais. Parce que je sais que j'avais mis plein de trucs. Non, mais il y avait. Alors, et puis, après, on passera à la dédicace. Mais il y a. Ah oui, alors, il y a une. Salut Stéphane. C'est Stéphane Battu. Ah oui. Réalisateur, directeur de Vif Argent. Oui. Attends, alors une question. Oui, pardon. Oui. En fait, j'ai une question. En tant que comédien, comment est-ce que vous vous préparez en fait? Comme vous parliez tout à l'heure de Damien Bonnard et Vicky Clubs qui en parlaient, comment vous vous préparez? En plus, ça peut dépendre aussi ça des projets. Mon texte. Oui, bon, d'accord. D'accord. Et puis après, des fois, il y a des trucs où faut savoir faire du cheval. Ça, j'aime bien. Dès qu'il y a des trucs un peu concrets, ça, j'aime bien. Pour Tralala, malheureusement, ils m'ont prévenu trop tard. C'est 3 semaines avant, même pas. Donc, la guitare, ben voilà, j'ai juste vécu, dormi, pissé, baladé partout avec une guitare. Parce que j'ai fait du piano, mais pas de guitare. Donc, c'était juste être à l'aise, être bien avec une guitare. Et puis leur demander, mais il les écrit quand les chansons, Philippe Catherine là? Parce que quand est-ce que je vais les apprendre? Non mais là, les gars, il faut qu'il écrive les chansons, moi. Attendre Philippe Catherine, paf, en une nuit, voilà. Donc tu te jettes dessus comme un mort de faim pour essayer d'apprendre les chansons. Voilà, mais sinon, apprendre le texte. Mais non, mais parce que je n'ai pas exploré l'art d'acteur, de l'acteur, moi. Donc, je vous dis, c'est un art. C'est pour ça, quand je vous parlais de comment Damien et Vicky parlaient ensemble, de comment ils... il faudrait que je retrouve précisément, mais Damien parlait du film qu'il allait faire, où il y a des histoires de braquage de banque. Ben voilà, un acteur, qu'est-ce qu'il va... Il va croire, ouais, je vais aller voir des braqueurs de banque. Non, Damien, il pense à autre chose. Il pense à qu'est-ce qui anime cet homme pour faire ces choses-là. Et il se dit, en fait, cet homme fait ça parce qu'il veut prendre soin de gens. C'est ça qu'il fait. Donc, comment il va préparer? Il va préparer en travaillant avec des infirmiers. Alors qu'il doit jouer un braqueur de banque. Tu vois, il le place ailleurs. Pour être nourri. Voilà, ça c'est extraordinaire. Par exemple. Et toi, tu as pas ce goût-là ou cette. Je sais pas. Non, mais franchement, j'en sais rien. Ouais, d'accord. Déjà, c'est un miracle que j'arrive à dire les phrases dans l'ordre. c'est pas vrai. Non, je déconne pas. Demande à Stéphane. Enfin, je suis absolument pas. Et là, en plus, je me suis entendu dire à Moriti, mais peut-être c'est bien si je le dis en italien plutôt que je joue un français. Il m'a dit grazie. Et voilà. Et donc là, je suis là en train d'apprendre l'italien avec Babel depuis 2 mois. Je suis très très laborieux. Oui. Voilà, c'est tout.
On peut être doué. Ouais, je me permets. Déjà, merci beaucoup pour votre temps. Déjà, c'est super chouette pour nous tous. Et sinon, moi, j'avais une question par rapport à votre approche de réalisateur, comme vous êtes acteur. Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Je pense que c'est pas pareil que quelqu'un qui fait que de la réalisation. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Ah oui, c'est vraiment bien. Et pareil, c'est vachement bien aussi quand les réalisateurs, ils ont juste essayé de voir ce que ça donne de tourner un plan comme acteur. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien ça. Et aussi que les acteurs réalisent un plan. Et ils verront ce que c'est. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui sait tout, dont il faut attendre la béquille, ou je ne sais pas quoi, ou est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime, mais je n'ai pas l'impression que tu m'aimes assez. Ça t'a plu? Mais oui, ça m'a plu. Que juste t'as pas le temps, quoi. Et que on est déjà en train de préparer le plan suivant. Il n'y a pas de cérémonie, de récompense quand on fait du cinéma, enfin. Ça n'existe pas. Il y a les Césars vendredi. Non. j'avais oublié. Merci. C'est toi qui me l'avais rappelé. Ouais. Oui. Tu m'as dit, je ne peux pas vendredi, il y a les Césars. Ouais. mais sur le plateau, quoi. Mais voilà, ça permettait certainement, voilà, avec qu'il n'y a pas un langage magique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les acteurs, il y aurait une porte d'entrée magique avec un code que j'ai pas et que peut-être il faut leur parler comme ci ou comme ça. Non, bon. Tu as eu travail. Oui, et ça c'est parce que je vois ce que ça représente. C'est vraiment encore une fois comme dans la musique où là tu comprends que la soprano elle a besoin de telles notes. Parce que sinon, après, comme elle est a cappella, elle ne va pas savoir si elle est partie sur un ré ou sur un fa. Donc comment faire, savoir? Et donc, les compositeurs, là, c'est ça qui se passe, c'est ce que je suis en train de monter, Zorn. Oh, that's why you need the D. Parce qu'il lui avait enlevé le D, il lui a dit, le chante pas, le ré fait juste un truc comme ça, un truc, c'est plus beau. Et elle aussi, elle trouve que c'est plus beau de faire un cri de... Parce que c'est des déesses de Finlande et tout ça. Mais du coup, elle perd son ré. Et après, il n'y a plus de piano, il n'y a plus rien. Elle est seule. Comment elle fait? Et il cherche comment faire. Ben voilà. Donc, Zorn, il sait comment ça marche. Donc il dit, do you need a note somewhere? Et là, après, il a l'idée que le pianiste peut-être, maybe you can pluck something. Et il cherche quelle note pourrait l'aider. Donc ils se font ensemble, voilà, c'est un peu ça. Comme John est aussi musicien, il n'est pas que compositeur dans une cour tour d'ivoire à écrire des trucs absolument injouables. Voilà. Donc c'est, oui, bien sûr, c'est, de toute façon c'est bien de faire tous les métiers. Hein. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, Mathieu. Mais merci de tout. Mais non, merci à vous. Tu nous as donné. Merci. Alors, si tu le veux bien, on va se retrouver vers la table principale. Tu pourras dédicacer les DVD, les Blu-ray de Serre-moi fort.